Voilà, merci. La série des invités, nous aurons Boulichard Bonkono, Samuel Minga. Après, ça sera Billy Doudou, Jésus. Et aussi, on va terminer par Roger Baka. Nous vous l'avons annoncé. Ils sont là. 500 âmes pour Jésus. Minga, Samuel, bonjour. Bonjour, bonjour. Boulichard Bonkono, Lita, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je commence par vous, Minga, parce que vous êtes pasteur de l'église Intercession Cité des Réfuges. Aujourd'hui, vous êtes là. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Merci, merci. Nous sommes ici pour lancer notre campagne 500 âmes pour Jésus-Christ. C'est ça ce qui nous amène ici ce matin. Et voilà pourquoi je vous ai même en polo. Oui. Polo 500 âmes pour 500 Jésus. âmes pour Il Jésus-Christ. sert. Il sert. Minga, Bolichard, votre mot. Oui, nous n'avons pas vraiment un grand mot à dire, tel que le pasteur vient de le dire. Nous lançons Vous êtes trop sanglant là. Non. Nous lançons notre campagne de 500 Voilà, je âmes. pense même l'afficher là. Voilà, Ah, l'affiché. Ouais. Communauté Intercession Intercession Cité des Cité des Réfuges, Réfuges. Exactement. Afin de projet 500 âmes pour Jésus. Oui. Fisson Mouni, vous êtes invité à l'église. Dédé Sansoy, ça c'est la campagne de l'église. Voilà, Oui, certainement, il n'y a pas l'adresse qui n'est pas vraiment affichée là. Vous Nous pouvez donner sommes l'adresse. au-dessus de Mir des Africas, sur l'arrêt armé, non loin du docteur de l'éminent docteur Muyembe, en face de l'antenne orange. Voilà, c'est là où se trouve la communauté Intercession Cité de Refuge. Aussi, nous vous invitons certainement à bien aimer notre page Facebook intitulée Reverend Prophète Jean-David Kilolo. Il faut aimer la page, partager, commenter par rapport à notre événement, notre campagne des 500 âmes pour Jésus-Christ. Nous avions commencé ça à Kinshasa, certainement, mais bientôt là, ça sera pour les 145 territoires. Nous serons à Kasangoulou pour lancer encore 500 âmes pour Jésus-Christ. Nous serons à Mbandaka déjà. Nous nous préparons pour Mbandaka. Nous serons à Matadi, nous serons à Kindu, nous serons partout dans la République démocratique du Congo. Le 500 âmes sera seulement, pas seulement pour Kinshasa, ça sera pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui nous suivent en direct chaque mardi, chaque vendredi sur Facebook, peuvent aussi commencer à commenter, surtout ceux de l'Équateur avec qui je suis en communication. Je voudrais à ce que nous puissions aussi lancer le 500 âmes à l'Équateur. Mais petit à petit, nous évoluons déjà jusque-là. Voilà. Pour ceux qui vous suivent, pasteur, vous Oui. pouvez mélanger soit et Lingala, français, Zolanda. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message? Message beaucoup plus soin. Le message est simple. Quand nous voulons parler de 500 âmes pour Jésus-Christ, Tulingi, Tutundisa, quand il y a Yesu. Moi, j'ai du mal quand je passe le soir. Nabakouin, je vois Baba Reza Koutounda. Il y a plein de gens dans des bars, mais quand je vais dans des églises, je trouve encore des chaises vides. Quand je vois cela, ça m'interpelle quelque chose, que nous avons encore un travail à faire. Qu'est-ce que ces gens-là de bar font pour remplir leurs bars chaque jour, chaque soir? Et là-bas, dans le bar, les gens achètent. Mais l'église, Jésus dit, venez vous tous qui avez soif. Même sans argent, venez. Mais là où les gens achètent, les gens font le plein. Là où les gens viennent sans avoir à donner quelque chose, il y a des vides. À l'église, il y a encore des vides. Voilà pourquoi, sur ce, nous avons lancé une campagne 500 âmes, non pas pour moi, non pas, mais pour Christ. Et dans cette campagne, nous prêchons plus sur notre thème qui est intitulé Où passera-t-il ton éternité? Aujourd'hui, là, beaucoup de gens font des histoires. L'éternité, je ne dois plus la passer à un fauteuil. Les gens s'achètent des jeeps, ils s'achètent des belles maisons, ils s'achètent ceci, ils envoient des enfants en Europe par-ci, par-là. Ils préparent, quelqu'un même prépare l'avenir de ses enfants, mais lui-même n'est pas en mesure de préparer lui son futur. Plus on prépare le passé, c'est ce que je vais laisser. Or, l'éternité, c'est le futur qui nous attend tous. Tout ce que tu as acheté,
ça doit rester. Mais pose-toi la question, moi-même, je vais passer mon éternité où? Voilà pourquoi je lance un appel. Il est temps à tout un chacun de se convertir, de croire en Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de laisser, de se détourner de mauvaises voies, de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, l'éternité, tu peux laisser une belle maison et tu vas passer ton éternité dans l'enfer. Dans l'enfer. Voilà, même quand vous lisez Luc 16, Luc 16, 19, 31, Jésus a donné l'illustration, un parabole. Le pauvre Lazare et l'homme riche. L'homme riche avait tout. Le pauvre Lazare n'avait rien sur cette terre. Mais après la mort, il y a la vie. Le pauvre Lazare s'est trouvé au sein d'Abraham. Et l'homme riche qui avait tout alors, il s'est retrouvé qu'il demandait même au pauvre Lazare de mettre seulement son doigt. Donnez-moi une goutte. Il n'y a même pas moyen. Il est temps pour tous ceux qui nous suivent à Kinshasa, Goma, Bandundu, Mbujimayi, Kananga, partout ailleurs. Il est temps. Tous ceux que vous voyez, ça va rester. Où passera-t-il ton éternité? Voilà notre campagne de lançon. Venez dans le Seigneur. Et pendant ce jour, nous passons des moments très forts à mon église. Ici, Intercession Cité des Refuges, où nous sommes chaque soir, même aujourd'hui, nous avons quitté. Et dans cette campagne, nous ne sommes pas là seulement pour donner le mariage, le voyage et autre chose non plus. Nous avons vu que les choses maintenant évoluent. Nous avons beaucoup prêché ces histoires-là et les gens n'arrivent pas à changer. Église Zokolate. Mais quand on prêche les gens l'éternité, quand même, yamba libala mutuambi libala libala ekotikala. Yamba mutuka mutuka ekotikala. Yamba mbongo yami mbongo ekotikala. Mais l'homme, or l'Église a pour mission de préparer la fiancée à croiser l'époux. Tukutane epu na bambongo abiswana te. L'Église n'a pas pour mission de préparer les gens comment avoir des voitures, comment avoir du boulot, comment avoir le mariage. Et voilà pourquoi que les gens passent aujourd'hui, il y a des campagnes de cela, cela. Il y a qu'à au commun, il y a qu'à au cause, au cause à la mutoyer à Zui. Mais pose la question à cette personne, on va y aller à Zui. Est-ce qu'Atiki Mabe, Atiki Ndumba, Atiki Mouibi, Atiki c'est cela? Et je suis contre l'Église, comme le retourne le principe à Antoine de Saint-Exupéry, qui dit peut-être que tous les moyens sont bons pourvu qu'on atteigne l'objectif. Non, ce n'est pas ça l'Église. Tous les moyens ne sont pas bons pourvu qu'on atteigne l'objectif. Nous, d'abord, l'Église, ici, dans mon église à moi, on enseigne les gens à craindre, à marcher dans la crainte de l'Éternel, à suivre l'Éternel, parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, ça va passer. Voilà pourquoi je vous invite. Partout où vous êtes, le sait, vous êtes en Ngaba, Ngaba, Yolo, Matongue, partout, Lemba, Bumbu, Selemao, Mongafula, venez, venez. Vous ne venez pas pour recevoir les mariages, pour recevoir c'est cela, mais venez, nous voulons gagner l'âme. Que l'âme rencontre, que l'âme ne vive pas dans la guerre. Que l'âme d'une personne soit sauvée. C'est là notre mission, sauver les âmes pour Christ. Pour Christ, pour voilà. Christ. Merci beaucoup. Alors, Bonkono, un mot. Je pense qu'on va terminer d'ici là, le temps de prendre aussi d'autres invités. Alors, pour finir, j'insiste toujours, Nabaibazo, Landabiso, de partout, Kinshasa. Parce que je vois Géry, hein, Géry, notre manager, il est en train de nous suivre. Il a même signalé. Voilà, il est en train de... voilà, celui qui nous a fait vraiment toutes ces affiches. Voilà. Le manager, Géry. Bonsoir, bonsoir, Landabiso, na Kinshasa. Tout ce qui est bien, beau aimé, surtout page Facebook, Jean-David Kilolo, prophète. On a beaucoup d'informations, vidéos, prédications. Il y a mardi, vendredi et dimanche, tous ensemble, pour édifier le peuple de Dieu et puis pour sa gloire et le salut du monde. Merci, merci voilà. Beaucoup. On a fini. Aujourd'hui, il y a culte, non? Merci. Aujourd'hui, il y a culte. Donc, et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à un cher ami, Larumbakulu Mbakulu, et bon séjour à Kinshasa, Maman Nicole Tumba. Maman merci. Nicole Tumba. Je dis bonjour à tous nos fidèles de l'UCR, Pasteur Gino Masaya, Maman Sifa, Bendera, Kachinde Bendera, Massifa, Kachinde Bendera, à mon fils Poussier Minga et Poussi Minga. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Doux, bel et doux, Jésus. Voilà, c'est lui qu'on va recevoir tout à l'heure. Merci. Merci.